nous avons fait une erreur dans nos déclarations de revenus de 2022 et de 2021, une erreur qui nous a fait manquer plus de 2000 $ en retour d'impôt à chacune de ces années. Est-il possible de modifier des déclarations des années passées et comment procéder, Myriam? Bien, en fait, aujourd'hui, c'est plus facile de faire des amendés. Donc, au lieu d'avoir des formulaires à envoyer, on peut simplement, si on est, on a un compte au niveau de Mon compte de Revenu Canada et de Clic Secure, on peut simplement, en ligne, automatiquement aller choisir l'année et faire les modifications directement en ligne. Donc, c'est beaucoup plus simple et par la suite, l'avis de cotisation, de nouvelles cotisations va être émis par les gouvernements. Donc, tout à fait pour 2022. Et ça se trouve facilement pour les cliquer? Tout à fait. Quand on va en ligne, exactement, il y a vraiment une section « Modifier une déclaration ». Ah, d'accord. Et à ce moment-là, on peut choisir l'année qu'on veut modifier, que ce soit au niveau de Revenu Québec ou de Revenu Canada. Mais par contre, ça prend pour acquis qu'on a nos connexions à Revenu Canada et à Revenu Québec. Sinon, on peut le faire en papier, tout simplement, en utilisant les formulaires prescrits d'ajustement des années. Et on pourra simplement notifier quelle ligne on veut déduire, le pourquoi. Et on pourra envoyer le tout directement aux paliers gouvernementaux. Bon, ben on avance, c'est bien, c'est plus facile que c'était autrefois. Marie-Michel Côté demande ceci au Québec. Je remarque que nos crédits d'impôt non remboursables admissibles à la ligne 377 sont passés de 15 à 14 %, ce qui vient augmenter d'autant l'impôt à payer. Bien que le montant personnel de base ait été haussé, ne vient-on pas de nous en passer une petite vite, Luc? Bien non, on n'a pas passé une petite vite. On va expliquer comme la règle générale. Les crédits de cette nature-là, non remboursables, on bénéficie du taux le plus bas du barème. Comme le gouvernement a baissé le taux du barème, la baisse d'impôt, bien le taux le plus bas des crédits a été également revu. Donc, il y a une concordance entre... Avant, c'était 15 pour les crédits et 15 le taux minimum du barème. Maintenant, c'est 14 et pour les crédits et pour le taux d'imposition. Si bien que ça l'efface, entre guillemets, la même proportion d'impôt à payer pour ceux qui sont imposés au premier taux. Donc, en fait, Mme Côté a l'impression d'en avoir un peu moins là, pour son argent. Mais tout compté avec la baisse d'impôts, elle ne peut pas en avoir moins. OK. C'est ça. D'accord. Myriam, une question pour vous de Jean-Pierre. Doit-on déclarer les subventions reçues pour les programmes Roulez Vert ou Thermopompe Efficace d'Hydro-Québec? Si oui, doit-on rapporter le montant au niveau fédéral, provincial, sur quelle ligne au rapport d'impôt? Alors, en fait, cela correspond au relevé 27 qu'on voit souvent. Et ces relevés sont émis directement par les organismes paragouvernementaux ou gouvernementaux du moment qu'il y a un déboursé qui est fait à une personne. Bien, ça ne prend pas pour acquis. Est-ce que c'est pour une dépense personnelle ou est-ce que c'est pour une dépense, exemple, à un immeuble locatif pour changer les thermopompes de l'immeuble? Donc, c'est vraiment, ça revient... On renvoie la balle, en fait, au contribuable de dire si c'est pour des dépenses personnelles, on ne fait rien avec ça. Il n'y a pas d'imposition qui est faite. Mais par contre, si on s'est rattaché à du revenu d'entreprise, à ce moment-là, on va venir réduire le coût du bien sur lequel on a effectué ces travaux-là. Donc, par exemple, dans le cas d'une thermopompe dans un immeuble locatif, on va venir réduire la catégorie le coût de la catégorie qui se rattache à l'immeuble, mais il n'y aura pas d'imposition directement de ce montant-là. Très bien. Question de Carole Galarneau. Pour Luc, dans le cas d'une séparation involontaire due à l'admission d'un des conjoints en CHSLD, doit-on indiquer célibataire ou séparé à la case d'état civil lors de la production des déclarations de revenus? Lorsqu'il s'agit d'une séparation involontaire, on ne change pas d'état civil, on continue dans sa déclaration d'être considéré conjoint de fait ou d'être marié. Donc, quand on s'en va ensemble de soins longue durée, séparation involontaire ne modifie pas nos déclarations. Mais il y a une personne qui demeure dans sa maison, l'autre personne s'en va en CHSLD. Malgré tout, il demeure conjoint de fait. Demeure conjoint de fait. Ou marié, oui. Ou marié, effectivement. Oui. Donc, on n'écrit pas célibataire ou séparé. C'est vraiment conjoint de fait. Bon, coudonc, on en apprend. Jacques Sauvé, les frais encourus par un aîné pour un déménagement dans une résidence pour personnes aînées, sont-ils déductibles aux fins de l'impôt, Myriam? Les seuls frais de déménagement qui sont déductibles et admissibles, c'est les frais quand on déménage pour gagner du revenu, qu'on se rapproche de son lieu de travail. Donc, malheureusement, un frais de déménagement pour aller dans un RPA ne sera pas déductible. Par contre, s'il y a une raison médicale et qu'il y a une portion qui est des frais d'ambulance ou des frais qui sont admissibles comme frais médicaux, ça pourrait à ce moment-là être reporté dans les frais médicaux pour le crédit d'impôt.
OK, parfait. Mais simplement déménager dans une RPA, exactement, ça ne compte pas pour des déductions. Autre, d'accord, le Québec, oui, ça. Oui, pas de problème avec ça. C'est bon. On s'auto-valide. Oui, mais c'est bon. Si jamais vous n'êtes pas d'accord l'un avec l'autre, vous nous le direz. Claude Roy pose la question suivante. Ma conjointe est aux études postsecondaires à temps partiel et elle est sans revenu imposable. Pour le rapport d'impôt du Québec, peut-elle me transférer son crédit d'impôt non remboursable pour frais de scolarité? Si oui, comment? Sinon, peut-elle le transférer à sa mère? On voit quand même que la personne a fait un peu ses recherches, là. Donc, elle précise au Québec, au fédéral, elle peut le transférer les frais de scolarité à son conjoint. Au Québec, on peut seulement les transférer à son parent ou à son grand-parent. Et donc, puis en échange que le parent s'occupe un peu de l'éducation, qui est en lien avec l'éducation de la personne. Dans ce cas-là, donc, elle pourrait le transférer à son parent ou elle peut aussi faire le choix de le conserver pour elle et de l'utiliser plus tard. Ces frais de scolarité-là, elle pourrait les utiliser plus tard, mais elle ne pourra plus tard les transférer. Elle va devoir les prendre elle-même. Et quand on dit plus tard, c'est plus... C'est dans les années suivantes. Dans les années suivantes. Oui. OK, parfait. Voilà pour Claude Roy, pour cette question sur donc les frais de scolarité. Voilà. Claudette dit « Ma fille a eu des revenus au Québec et en Nouvelle-Écosse à raison de 6 mois dans chacune des provinces. Tiens, dans laquelle doit-elle faire sa déclaration de revenus, Myriam? » Bien, en fait, on produit au niveau de la province à l'endroit où on habite le 31 décembre. Donc, c'est le lieu de résidence le 31 décembre. Donc, si elle habite en Nouvelle-Écosse le 31 décembre, c'est là qu'elle va produire. Si elle habite au Québec, c'est au Québec qu'elle doit produire. Et il ne faut pas s'inquiéter parce que les impôts qu'on a payés dans chacune des provinces vont être transférés et vont être tenus compte. On ne perd pas cet argent-là. C'est vraiment là... Mais si on vit 11 mois en Alberta puis qu'on déménage au mois de décembre au Québec... On s'impose au Québec. On s'impose au Québec, puis on a une mauvaise surprise. Sur le revenu de l'année. Oui, exactement. Une mauvaise surprise. Une mauvaise surprise. Ou les gens qui déménagent en Colombie-Britannique sont très contents à la fin de l'année, mais l'inverse... passe un petit peu moins bien parce que les taux sont bien évidemment plus élevés au Québec. L'important, c'est le 31 décembre. Exactement, oui. Tout à fait. Où vivez-vous le 31? Abdenasser Mejdoubi demande ceci. Je suis retraité et je suis partiel. Est-ce que mes revenus de chauffeur ont un impact sur mes revenus de retraité du point de vue des impôts, Luc? Mais ses revenus de chauffeur ont un impact sur son revenu imposable, puisque les revenus sont d'abord imposables. Est-ce que ça a un effet sur ses revenus de retraite? Ça dépend. Là, il dit qu'il est retraité. Ça dépend s'il a plus de 65 ans. S'il a plus de 65 ans puis qu'il a déjà demandé sa prestation du régime des rentes du Québec, il peut demander de cesser de cotiser. Donc, ça n'aurait pas d'impact. Il ne cotiserait plus et ça n'aurait pas d'impact sur sa prestation future. Du côté des prestations du fédéral, pension de sécurité de la vieillesse, supplément de revenus garanti, bien, si ses revenus sont plus élevés, ça pourrait lui faire perdre une partie de son supplément de revenus garanti ou bien, si ses revenus sont vraiment élevés, lui faire perdre une partie de sa pension de sécurité de la vieillesse. Ou la totalité, évidemment. OK, très bien. Question de Sébastien Lamoureux qui demande ceci. Je suis travailleur autonome qui travaille à 100% aux États-Unis. Ma résidence principale est à Montréal. L'entreprise pour qui je travaille me paye en argent canadien dans mon compte de banque canadien. Dois-je payer mes impôts aux États-Unis ou au Canada, Myriam? Il n'y a pas de réponse facile et directe pour cette question-là. En fait, il faut se rappeler qu'il y a plusieurs éléments. Premièrement, il y a une présomption de résidence qui va exister autant au Canada qu'aux États-Unis. Les règles aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'au Canada. Nous, on a une règle de 183 jours. Aux États-Unis, c'est sur une période de 3 ans. Donc, c'est beaucoup plus facile de devenir résident, d'être présumé résident aux États-Unis. Donc, il faut faire très attention à ça. Et l'autre chose que j'aimerais lever comme espèce de question, c'est de dire, faut faire attention parce que certains États, si on gagne certains types de revenus, vont être imposables, même si on est imposé par ailleurs dans un autre pays. Donc, c'est vraiment très important de parler avec quelqu'un qui connaît les règles américaines et pas canadiennes nécessairement pour s'assurer de la situation de M. Sébastien Lamoureux. Parce qu'effectivement, même si j'habite au Canada, mes certains types de revenus pourraient être imposables et je peux encore une fois avoir la présomption de résidence aux États-Unis à cause des délais que je passe aux États-Unis. Dernière question de Diane Bouchard. J'ai payé des frais élevés, dit-elle, de dentiste pour ma fille de 25 ans qui n'est plus considérée à ma charge. Puis-je les inclure dans ma déclaration, Luc? Réponse courte, non. C'est seulement pour les personnes à charge. Alors, si la personne majeure, la fille majeure avait été à sa charge, elle aurait pu prendre des frais, les frais de dentiste du côté fédéral et du côté de Québec. Les méthodes auraient été un peu différentes dans le calcul, mais ça aurait été possible, mais il faut que la personne soit à charge.